n'y avait pas un bruit, et là forcément les oies, ils se mettent à s'énerver. Bon allez, on recommence. Salut tout le monde, aujourd'hui un nouveau sujet, on va faire la présentation de véhicules un petit peu prestigieux, BMW. On a eu l'occasion de rencontrer des gens, des vrais passionnés qui ont de tout. Et aujourd'hui, le propriétaire de la voiture est avec nous, on ne sait pas s'il aura le courage de venir nous voir à la caméra, mais bon, on verra bien. Elle est vraiment sublime, cette voiture. On voit les gros disques. Lui, il a de la chance, ils sont encore de la bonne couleur. Ils sont pas encore bleus. T'as l'intérieur blanc, j'avais même pas vu. Ok, couleur crème. La navigation? Bah moi je trouvais qu'elle était un peu pourrie celle de BMW. Ouais. Ton Waze téléphone, bah ouais franchement. Et affichage sport. Hein. Voilà. Donc là t'as les jets que tu prends en accélérant, en freinant sur la droite, top. La gauche. T'as les newton mètres et les kilowatts. Ah là tu couples hein, quand même. Hein. Ouais. Donc tout à l'heure vraiment t'accélérais pas du tout. Wow. Faut pas éternuer au moment où tu tapes ta pointe. C'est réglé rigide, ouais. Ouais, non, c'est parce qu'on est ultra sport. Exactement, elle est full sport, là, tu peux pas plus. Donc pour le drift, du coup, tu la tiens bien parce que tu arrives à vraiment. Enfin, moi je le sens, j'ai une bonne précision. Et puis sur la caméra, tu vois pas tout ça parce que t'as stabilisateur d'image et tout. Ouais. Après, on sent le karting. Mais comment tu fais pour rouler tranquillement avec ça, toi? Ouais. Ça dépend quand, quoi. Là, j'ai perdu la Tesla. Mais on va peut-être essayer plus de Slark. Tu fais pas mal aux côtes, toi ça va? Non, mais après tu peux régler aussi la pression du ciel. Le baquet, franchement. Tu peux régler en lombaire et la pression latérale pour être bien calé. Et on sent qu'elle est énervée là. Ouais, bah là on l'a chauffé un peu là. Là. Bah, elle est en sport. On vient de la chauffer un peu. Ah, ça va. Bah, oui, ça va. Mais comme t'es plus bas, là on sent que c'est rigide. Hein. J'ai peur quand je l'ai acheté parce que je la connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, non, même pas tête à queue, mais voilà, la voiture est partie, je m'y attendais pas forcément. Surtout qu'avec le quattro, je pouvais prendre des ronds-points à 80, ça bougeait pas du tout. Ouais, c'est parti du cul, ça va, elle est revenue quoi, mais j'étais un peu surpris. Dès que j'accélérais, elle patinait à mort et tout, mais en fait c'était vraiment les pneus qui étaient rincés. Je sais pas si toi tu vas franchement sur la pédale ou si c'est moi qui va tout doux. Ah moi j'y vais franchement, après ouais je la connais. Elle va s'énerver. Elle veut pas passer les rapports. Je viens de lui demander de descendre. Elle me dit non, non, non. Et les palettes au volant, t'es un adepte ou tu t'en fous? Ouais, si, je m'en sers de temps en temps. Je trouve que voilà, quand tu la mets en mode sport comme ça, elle règle tellement bien au niveau de la boîte automatique qu'en fait, avant, je m'en servais plus et puis maintenant de moins en moins. Ah, elle braque bien aussi sur elle-même. Elle a un tout petit rayon de braquage. C'est pas trop mal, ouais. Ouais, ouais. Hein? Voilà. Ouais, bah, de toute façon, elle se remet automatiquement. Et t'entends les rapports qui passent vite. Je pense à la consommation, mais c'est trop bien quoi. Ah, la voiture elle a pas voulu doubler parce que j'ai pas mis le clio. Elle a un bon châssis comme, mais je la trouve un peu plus dangereuse que la Tesla. Tu vas voir la Tesla. Ah bah oui. Ah oui, je pense qu'elle est un peu plus dangereuse, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Hein. Mais je pense que celle-ci en M, en S-Drive, je pense que là c'est vraiment dangereux. Il y a la Tesla qui est derrière, si tu veux monter dans l'autre. Ouais. Tout à l'heure j'étais avant qu'on prenne la voiture à 9,5 litres. Donc on a fait... en moyenne, donc là on a dû consommer au moins 15 litres. Bon, ça va, t'as kiffé? Ouais, franchement, sympa. Après les voitures de sport, j'en essaye beaucoup. Hein. Ouais. Alors, je peux être peut-être pas très impressionné, mais elle est très sympa. Non. Pour le sport, oui, bien sûr qu'il y a... J'en ai pas parlé, moi je voulais rester discret et tout. Mais là, il veut vendre sa voiture, il veut passer à autre chose. Et c'est quoi la prochaine? Je sais pas encore, c'est pour ça qu'elle est encore là. Donc voilà la carte bleue. La clé, voilà. Donc ça c'est la clé pour ouvrir la porte. C'est pas si pratique. Ouais. Alors si je dois te donner une comparaison, plus facile, elle envoie plus lourd. Et comme j'ai vu que tu roules, fais attention quand même. Okay. Voilà, c'est... T'as trois modèles chez Tesla. Le modèle S, le modèle S3 et le modèle X. Celle-là c'est la sport. Le modèle 3, celle-là c'est la plus sport. Ah ouais? La S, la moins
d'abord. Et donc sur celle-ci, t'as 400 chevaux, 600 chevaux et presque 800 chevaux. Tu vas te sentir trop freiné, tu vas dire putain, mais on freine tout le temps en fait. Bah, j'ai même pas freiné là. Tu relâches, t'as pas besoin de freiner quoi. Non, je conduis qu'avec un pied. Ouais, bah quasiment. C'est ouais. Ça. Carte électrique, c'est exactement la même chose. Ouais. Ouais, tu vas avouer carte. J'ai déjà allé une fois ou deux. Et bah c'est ça. Ouais, sinon c'est par contre c'est. Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Alors c'est une tenue de route en même temps glisse aussi, ça qui rigole. Par contre c'est du 4 roues motrices quoi en fait. C'est ça. Il y en a plein qui disent qu'on prend plus de 2G dans les virages. Ouais, ça c'est un peu. Mais tu perds ton permis avec ça. Bah ouais, je crois que parce que t'as tout le temps envie de tartiner. Ouais. Les freins, je sais pas ce que t'en penses. Bah j'ai pas parfait. Mais... Bah vas-y, tartine. Tu vois un peu. Ça fait pas fort en fait. Parce qu'ils sont cuits. Ah, ah ouais, ils sont cuits là. Ah ouais, d'accord. Normalement, t'aurais mangé ton volant. C'est pas trop gênant dans ton Tesla, t'en as pas trop besoin. Bah, au quotidien. Du circuit, quoi. Au quotidien, je m'en fous. Même là, tu sais, le. Attends, c'est bien plaqué au sol. Et même si tu fais un drift, moi, elle part, tu sais, du cul, l'avant il reprend et du coup, t'es sur 4 roues motrices. Oh, non, je me suis jamais fait de frayeur. Ah, ça te jamais. Ah, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gendarmes qui sont là, on va faire attention. C'est en train de se poser, je pense, à la jumelle. Combien de fois il y a eu des contrôles routiers comme ça? Drift, tu roules, tu fais oh putain. Et en fait, ils t'entendent pas arriver, ils s'en foutent. Est-ce que le bruit finalement au quotidien ça te dérangerait? Non, c'est pas que j'aime bien ça. En plus, moi je roule en moto, j'ai une moto qui fait quand même pas mal de bruit. Moi je roule en custom et je suis entièrement d'accord avec toi. À un moment, sur notre moto, il n'y a que notre sécurité et notre conduite qui nous tient en vie. C'est ça. Et mon choix aussi, c'est qu'on m'entende arriver, de ne pas en abuser quand on roule dans un village à minuit, exactement. Au ralenti, en 6ème à 30 ou 40. Voilà. C'est pas le but de faire chier les gens, mais par contre, tu roules sur une route comme ça et t'as le gars est devant toi un peu bizarre. C'est bien qu'ils t'entendent quoi. Et un bon éclairage aussi. Un accident c'est si vite arrivé. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Carrément. Merci beaucoup d'être venu franchement. Alors c'est le bouton là, ouais. Et si jamais, moi tu vois il déconne, j'ai appelé Tesla. Hein, je le montre hein, parce que je suis vachement content d'eux. T'as la gâchette qui est là. Ou c'est un truc aussi. Je pense qu'en haut c'est que électronique et là c'est mécanique. Je sais que s'il y a un problème avec les pompiers et tout, tu pètes le carreau là et en fait t'as une gaine. Alors c'est eux ils sont équipés, ils coupent, tout est coupé. On a fait une petite vidéo sur la présentation des voitures. C'était une première pour moi, peut-être que c'était pas super bien monté, etc. Les enchaînements. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. De rien, avec merci, plaisir. Merci. Et on se retrouvera aussi parce que lui c'est un passionné aussi. Et on verra toute l'évolution. Toi, à bientôt. À bientôt ouais. Salut. Salut. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Mais il se moque de nous. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux. C'est moderne immo pour tous les deux. Vas-y, abonne-toi, n'aie pas peur. C'est bon, ça va pas te bouffer le doigt. Tu peux y aller, clique dessus, t'inquiète, il va pas te manger. Et dans le pire des cas, tu seras juste mis à la page de toutes les actualités. Des bisous, mon lapin. Abonne-toi. Abonne-toi. Moderne immo, moderne immo, moderne immo.